Bonjour chers amis, bonjour chers camarades, chers compagnons, chers abonnés, vraiment je vous remercie. Bon, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de la vie de la restauration, et aussi de nos frères et sœurs qui sont soumis à n'importe quelle retraite dans un pseudo anti-greffe. Côté emploi ici, on peut dire ça. Bon. De nos jours, on se rend compte que on a tendance à dire que l'on cherche du travail. Voyez-vous, la dernière fois, j'ai dû bien parler dans notre vidéo que partir du rang pour devenir quelque chose, ça existe. Mais ça existe en comment? En acceptant sa réalité, en ayant confiance à soi et tout bon de tout ça, en croyant en Dieu. Vous savez, moi je suis un cuisinier pâtissier, je fais la pizza. Et dans ma carrière de pizza, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Quand je dis beaucoup de difficultés, c'est-à-dire des gens qui d'abord tu prends comme agent employé. Et dans ta carrière de profession, de pizzaïlo, on peut dire. Tu as vraiment des obstacles qu'il faut que en fait tout même on peut dire moi j'ai surmonté, tu vois, tu vas avoir des patrons aussi emmerdants, aussi chiants, qui ne mangera pratiquement même pas dans le travail, les règles ne sont pas respectées, les consignes du pays sont bafouées. Aussi on peut dire que tu en es moins exposé au pire, quoi. Comme si aujourd'hui, on disait que l'esclavage, on remettait en action encore l'esclavage, on réveillait encore l'esclavage, parce que c'est que moi je constate en fait, que comme une personne qui peut travailler chez toi, en fait dans la loi de Côte d'Ivoire, il est dit quoi, que l'employé, celui-là qui t'arrange chez toi, qu'est-ce que soit dans la fonction publique ou privée, et celui-là donc qui travaille pour toi, doit savoir à manger. Ah, c'est la moindre des choses. Ou dans le cas contraire, si pas qu'il mange ta nourriture, ça c'est sûr. Mais tu lui donnes normalement son argent de manger. Je comprends. Mais pourquoi tu peux travailler dans un coin alors que tu as faim? Si tu es dans la nourriture, tu fais la cuisine, tu es dans la cuisine, tu as faim. Et tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas boire de l'eau, même de l'eau, même tu as des problèmes à boire. Je vous dis que c'est de la merde, c'est de la chiette. C'est de la chiette, il faut que l'État lutte contre ça. Si cette vidéo, c'est pour vraiment dire un mot à nos grands frères qui sont devant la CNPS, la bouche de travail, que vraiment, 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 je ne vais pas mentionner le nom de l'entreprise, mais vraiment, que vos petits frères qui sont dans les restaurants ici souffrent. Et si je fais cette vidéo pour vraiment me dire ça à l'humanité, dire ça aux grands frères qui sont devant, c'est qu'il vraiment, il faut d'une part voir vraiment ce point-là. Vos petits frères en souffrent. L'école est bon, nous sommes tous allés à l'école avec des diplômes, mais pour manque de moyens, ils sont obligés de faire ces travaux-là pour pouvoir suivre nous, bien nos besoins aussi, à payer nos différents concours. Mais si, de nous, que pour celui-là qui fait la cuisine, doit l'avoir fait la planche, doit l'avoir devenir serveur, essuyer la terrasse, je vois que c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. De la mettre dans ton propre pays, c'est pas raciste de dire ça, mais écoutez, tu parles au Liban aujourd'hui, elle fait un restaurant là-bas et employé des Libanais, et aujourd'hui tu as dit à un Libanais de faire la cuisine en même temps laver assiette, mais c'est impossible, c'est impossible. Tu vas marcher du Liban ici, je te promets, tu vois. On a nos soeurs qui ont travaillé à Beyrouth en ce moment, une même tout dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle était au troisième étage. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne mangeait pas. Et elle n'a pratiquement pas le temps même pour se brosser la dent. Tellement que le travail est excès. Voyez-vous ça? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que je ne sais même que ça. Pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, je vous prie de bien vouloir faire attention et dire un mot vraiment à nos frères et sœurs. Merci les frères.